les champs, Seigneur, petit fils, c'est ouvert. Jean, and also to dans les derniers jours, during the latter days, c'est
Parce que le temple de Milénium sera érigé
érigée à l'endroit du temple de Salomon. God, the temple of Hiram will be traced to the temple of Solomon. Que le temple de Salomon était où? And Solomon's temple has been anointed. Que tout le monde fait ça. Everybody do that. Allez, cartez le temple de Salomon. Inside. Donc ce n'est ni Jésus, neither Jesus, ni le temple de Millennium. Now the temple of Millennium. Mais qui est le Saint des Saints? Who is the Saint of Holies? On peut évoluer. You can move on. On peut évoluer. You can move on. Je brise le seau. I break up the seal. Le Saint des Saints. The Saint of Holies. Il n'avait jamais été un. Who never been anointed? Ce sont les 144,000. They are 144,000. Parce qu'ils ont rejeté l'expiation. God has rejected the atonement. Ils ont rejeté le baptême du Saint Esprit. They rejected the baptism of the Holy Ghost. Et ils n'ont jamais été un. And they've never been anointed. Que celui qui a compris dit amen. Let the one who understood say amen. Le Saint des Saints maintenant. The Holy of Holies now. C'est la nouvelle Jérusalem d'haut. It's the new Jerusalem for above. Mais quelle est la nouvelle Jérusalem d'haut? What is the new Jerusalem of above? Ce n'est pas une ville. It's not a city. La nouvelle Jérusalem d'haut. The new Jerusalem for above. C'est l'épouse de Jésus-Christ. It's the bride of Jesus Christ. Donc le Saint. So the Holy. The Saint. Of Holies. C'est vous. It's you. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je veux entendre un amen. I want you to hear an amen. Maintenant, ce n'est pas encore terminé. So it's not over yet. Vous aurez une double onction. You have a double anointing. Parce que frère Branham dit. Both for the Branham said. Jésus-Christ était loin en ce jour-là. That's where we're gonna be anointed. Dites amen. Don't you say amen?
de Gabriel, of Gabriel à Daniel. To Daniel. On fait quoi? To do what? Cesser les transgressions. Cease transgression. Expier l'iniquité. Expier l'iniquité. Quoi encore? What more? Mettre fin au péché. Put a hand to the sin. Quoi encore? What again? Apporter la justice éternelle. Bring the eternal righteousness. Quoi encore? What again? C'est la vision et les prophéties. See the vision and prophecy. Le sixth one. The sixth one. Point pour les saints et saints. All the holy and holy. Donc ce que Dieu fait avec Israël. What God is doing with Israel. Dans le naturel. Into the natural. Il le fait avec vous dans le spirituel. He is doing it with you into the spiritual. C'est pour aujourd'hui. That's why today. C'est vous qui devrez être one the one. The truth should be the anointed one, the holy of holies. Dieu a scellé les visions et les prophéties. God sealed the church and the prophecies. Au temps de Daniel. To Daniel time. Pour que vous puissiez connaître le message. So you may know the message. Dieu a cessé votre transgression. God sees your transgression. Vous ne péchez plus. You do not commit sin anymore. Dieu a expié votre iniquité. God atoned your iniquity. Dieu a mis fin à vos péchés, à votre incrédulité. Put an end to your sin, to your incredulity. Dites amen. Don't you say amen? Dieu a scellé la vision et les prophéties. God sealed the vision and the prophecy. Dieu ouvre le sein des saints. God anointed the holy of holies. So as a bride of Christ, and 70 in the 70 weeks of Daniel, for you have benefited. I'll take advantage spiritually. Spiritually talking. The sixfold. Not of Daniel. Not of Daniel. Pas de Gabriel. Not of Gabriel. To Daniel. But the reason of the coming of the angel. Pour faire cesser votre transgression. And to make a hand to your transgression. C'est pour expier votre iniquité. And to expire your iniquity. C'est pour mettre fin à vos péchés. To put an end to your sins. C'est pour établir la justice éternelle en vous. To establish eternal justice in you. C'est pour moindre, sceller la vision et les prophéties. To seal the prophet and the prophets. Et pour vous moindre. And to anoint you. La joie, l'onction de la joie éternelle. Of the anointing of the everlasting joy. Ce que Dieu fait. What God is doing. Avec Israël. With Israel. Dans le spirituel. Into the spiritual. Il le fait avec vous. He is doing also with you. Dans le spirituel. Into the spiritual. Quand j'ai pris seulement l'application des 6 bits. I took only the application of the 6 folder. J'ai appliqué ça à l'épouse. I apply it to the bride. Je sais qu'un incrédule vous dira quand. I know, one of the fools will tell you. Quand tu parleras à un incrédule. When you talk to one of the incrédules. Il vous dira, mais votre pasteur. He will tell you, Lord, your pastor. N'est-il pas écrit ici? Is it right in here? Que ces bits-là. That that's right. C'est pour Daniel. It's for Daniel. Et son peuple. And his people. Dites-leur. Tell them. Le peuple de Daniel. The people of Daniel. C'est Israël. It's Israel. Nous sommes. We are. Israël. Israel. Spiritual. Spiritual one. As the Frère Branham did. Because Brother Branham said. Israel. Israel. Et l'Église. And the church. Ce qui était appliqué, c'est-à-dire la rédemption. What was applied means redemption. Tous ces six buts-là sont. All the six folder was. Mais c'est la rédemption. It's redemption. C'est pas d'amen. What you say, man? La même rédemption qui est appliquée à Naomi. The same redemption applied to Naomi. Mais c'est la même rédemption qui est appliquée à Ruth. It's the same redemption applied to Ruth. Est-ce que tu peux racheter Ruth sans Naomi sans avoir Ruth? Can you redeem Naomi without Ruth? Pour vous du plein évangile. That's for you the full gospel. Je vous ai inséré dans vos subites spirituels. I have accepted you in your sixth spiritual root. De la descente de l'ange puissant. Of the coming down of the powerful angel. C'est pour mettre fin à vos péchés. It's to put an end to your sin. Mettre fin à vos transgressions. Put an end to your transgression. You are into the world. Vous allez dans le cheminement. You go into the world, the things of the world. La parole de Dieu. On the word of God. Vous faites ce que la parole condamne. Doing what the word condemns. Je vais mettre fin à ça. God will put an end to it. Dieu a expié votre iniquité. God expiates your iniquity. C'est-à-dire Dieu vous a pardonné de vos péchés. May God forgive you for your sins. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Dieu a mis fin à vos péchés. God put an end to your sin. En d'autres termes, vous ne péchez plus. In other words, you're not sin anymore. Dieu, God, a scellé la vision du message pour vous. See the vision of the message for you. Et aujourd'hui, and today, la parole et la vision est scellée dans vos cœurs. The word and the vision got sealed into your heart. Maintenant, now, Dieu vous donne l'onction de la joie éternelle. God gives
feed you. The anointing of the everlasting joy. Et c'est ce que vous recevez maintenant par la parole. And that's what you receive into the world. Malgré tout ce que vous avez comme souci, despite everything you have as a problem, la joie de Dieu ne vous quitte pas. The joy of God doesn't leave you. Il n'y a pas d'amen à ça. Don't you say amen to this? Je vais établir dans votre vie. And God is going to establish in your life. La justice éternelle. The eternal promise. Parce que vous-même, vous devenez la justice de Dieu. But yourself, you become God justice. Et Dieu ne juge la personne. God doesn't judge anyone. Le jugement au fils. He committed the judgment into the son. Et le fils ne juge personne. And the son doesn't judge anyone. Il a remis le jugement à l'épouse. He committed the judgment to the bride. Vous devez connaître ce que vous êtes. You should know what you are. Vous n'êtes pas n'importe quelle église. You are not anyone, not a church. Vous êtes l'église de Dieu vivant. You are the church of the living God. Voilà vos six buts. Here are your six goals. Spirituel. Spiritual. Pas la, le but de Daniel à Gabriel. Not the purpose of Daniel to Gabriel. Mais les six buts de l'ange à William Branham. But the six goals of the angel to William Branham. Choses. The six things que Dieu révèle dans le message de Branham. That God puts in message of Branham. Il vous a pardonné. He forgave you. Il a oublié vos fautes. He forgave about your sins. Et il a établi en vous la justice. He established in you the justice. Il a scellé en vous le message. He sealed in you the message of God. Il vous a donné la joie. He gave you joy. Malgré les problèmes. Despite the trouble. Malgré la faim. Despite the hunger. Malgré le célibat. Despite the sickness. Malgré le chômage. Despite your employment. Vous êtes dans la joie. Il y a quelque chose qui est en vous. There is something in you. Et les gens ne vous comprennent pas. Other people cannot handle you. Et depuis que vous avez avalé le message, and since you have swallowed the message, c'est fini. It's over. Mais si tu dis, moi je ne veux plus le message, je vais dans le monde. Le message, vous, le monde lui-même vous dira, toi tu fais quoi ici? And then if you go to the world, the world will ask you, what are you doing here? Allez, retourne dans le message. If you swallow those things, ça deviendrait toi. It will become you. Et jamais. And never. Vous ne retournerez en arrière. You will go back. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen? Ça me vient en tête. It's coming just right now. Rappelez-moi quelque chose, j'ai terminé. Quickly something, I'm going to close. Viens, 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 viens. Come and pick up the book. C'est là où nous allons aborder ça le mercredi. So we're going to take it on Wednesday. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. I don't know how we're going to understand it. Probablement dans la 70 semaines de Daniel. What the Bible says in so many weeks of Daniel. Paragraphe 187 et paragraphe 198. Paragraph 187 and 187. 187 et 198. And 187. Écoutez ceci. Listen to this. Maintenant notez dans votre carnet un petit passage de l'Écriture. Now notice into your notebook a small passage of Scripture. Là que je vais vous donner Lévitique 21. I'm going to give you Leviticus 25. En commençant au verset 8. Starting to the verse 8. Comment dit? What the Bible says. Dieu faisant sonner le jubilé dans tous les 49 ans. God made it sound the jubilee all the 49 years. La 50e année c'était le jubilé. The 50 years was the jubilee. Nous savons ça. We know that. Nous le comprenons. We understand that. Depuis le premier jubilé du Lévitique 25:8. Since the first jubilee of the Leviticus 25:8. Jusqu'en 1977. Till 1967. Ça sera le 70e jubilé. Will be the 70th jubilee. Ok? Amen. Amen. Ce qui donne exactement 3430 ans. What's given exactly 2,034 years. Et jubilé, ça veut dire la délivrance, ça veut dire au monde. And jubilee makes deliverance the honor. Avez-vous saisi ça? Suivez maintenant. Now follow closely. C'est là où on va entrer le mercredi. That's where we're going to enter on Wednesday. Je vous en prie de ne pas manquer. Forgive you not to beg you not to si miss. Vous ne m'avez jamais vu prêcher, vous me verrez prêcher. If you never saw me preach, you're gonna see me preaching. Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. What the Bible says, God treated with us the same time, the normal time treated with the Jew. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham. From the time he made the promises to Abraham. Jusqu'à ce que le Messie soit rejeté en l'an 33. Did the Messiah get rejected in the year 33? Ça donne 1000.
954 ans. It gave us 1954 years. Et maintenant, il nous reste 17 ans. And now there is 17 years remaining. On a eu environ 1964 ans. We had about 97 years. Et il nous reste 17 ans jusqu'en 1977. And we have 17 years remaining until 1927. Où ça sera la 70e jubilée depuis le début de jubilée? What will be the 70th jubilee from the time of coming? Et qu'est-ce que ça sera? And what will it be? Mon frère. Oh brother, sois attentif. Pay attention. Ne manquez pas ça. Do not miss it. Ça sera. Will be le jubilée. The jubilee du départ. Of the departure. De l'épouse des nations. Of the bride of the nation. Amen. Jusqu'en 1977. Till 1977. C'est la 70e jubilée. It's the 70th jubilee. Depuis le commencement de jubilée. Since the starting of the jubilee. Et ça sera quoi? And what will it be? Le jubilée du départ. The jubilee of the departure. De l'épouse. Of the bride. Des nations. Of the nation. Ah, on va arriver là. So we're gonna get there. Et vous devez savoir, nous sommes aujourd'hui en 2019. And you shall know we are today in 2019. Cette année. That year. 2019. 2019. Par rapport à la parole. On regard to the word. C'est quoi? What is it? C'est quoi? What is it? L'année 2019, 17 ans. L'année 2018. The year 2018. C'est quoi? What is it? Je vais vous dire bref. I'm gonna tell you in brief. Toutes les jubilées sont terminées. All the jubilees are over. Et dans le livre de Lévitique. And into the book of Leviticus. Après les fêtes de jubilée. After the feast of jubilee. Venait une autre fête. Came another feast. Qu'on appelle la sainte convocation. That you call the holy convocation. C'est une grande fête de rassemblement. It's a great feast of joining. Envie de quelque chose. And all of something. Et ici en 2018. And here in 2018. Nous sommes dans la première et de la première sainte convocation. We are into the first five convocation. Ça a commencé depuis l'année passée. Started since last year. Et notre deuxième sainte convocation. And our second holy convocation. Sera en l'année 2019. Will be into the year 2019. Les jubilés sont terminés. The jubilee are over. Les âges, l'église. The church ages. Dans leur forme naturelle. Into their natural form. Sont encore là. Still there. Mais dans le spirituel. Into the spiritual. C'est terminé. It's over. Et vous êtes dans le processus de l'enlèvement. And you are in the process of the rapture. C'est pourquoi vous avez quitté le monde. That's why you left the world. Vous avez quitté le champ du monde. You left the field of the world. Vous êtes quelque part. You are somewhere. Vous n'êtes pas ce que vous devriez être. You are not what you should be. Et vous n'êtes plus ce que vous étiez. But you are not what you used to be. Maintenant. Now. Vous êtes quelque part. You are somewhere in between. D'un moment à un autre. To the time of another. C'est la dispersion. The dispersion. Disappeared. Amen. Don't you say amen? Donc le mercredi. So on Wednesday. C'est le début. It's the beginning. De 70 semaines de Daniel. Of the 70 weeks of Daniel. Là nous commençons à rentrer dans la matière. Then we start to enter into the topic. Et vous verrez de bonnes choses. And you'll see good things. Ils sont partis sur trois rois. We went on three. Kings. Et il reviendrait sur toi. And he'll come upon three kings. Là-bas, there, Josaphat, Josaphat, Sénécias, ils ont reçu la pression de Nebuchadnezzar. They received the pressure of Nebuchadnezzar. Pour ramener Israël. To bring back Israel. Maintenant, now, Cyrus, Osiris, Darius, Artaxerxes, reçoit la pression de Dieu. Receive the pressure of God. Pour ramener Israël. To bring Israel back. Aïe, aïe, aïe. Oh my! Ils sont retournés aussi à trois phases. They also came back to three phases. Et c'est là où nous verrons Zerubbabel. And now we see Zerubbabel. Nous allons voir Josué. And we're going to see Joshua. Et quand vous allez lire le livre de Néhémie, je vais lire. And when we're going to read the book of Ezra. La Bible dit que Zerubbabel. The Bible said that Zerubbabel. A été gardé comme un sceau. Been kept as a seal. On ne l'a pas révélé. And it was not revealed. Ah, dites amen. Say amen. Et le roi crie la gloire de la seconde maison. And the glory in the glory of the second home sera plus grande que celle de la première. Will be greater than the first one. C'est cette maison de Zerubbabel. It's the house of Zerubbabel. Jésus Christ lui-même. Oh, Jesus Christ himself. Va faire son entrée au temple. Will make his entrance into the temple. Celui qui comprendra dit amen. Let the one that the son say amen. Shalom, 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 shalom. Mettez-vous debout, frère. Et prions, disons quelque chose. And pray, let's do something. Est-ce que vous avez bien mangé aujourd'hui? Are you eating well today? Très bien mangé.
Very well, Eli. Okay, lève un amen. So raise up your hand and say a word. Disons merci à Jésus. Say thank you to Jesus. D'avoir vaincu Israël. For having blown in Israel. Et d'être venu vers nous. And came toward us. Il a rejeté son peuple. He rejected his people. Vous et moi, so you and me, nous soyons sauvés. You and me say, et disons le merci. Ten times thank you. Et n'oubliez pas mes amis. And do not forget my strength. Dieu, despite that God, a livré Israël en captivité. Delivered Israel into captivity. Dieu a jugé la nation qui a pris Israël en captivité. God judged the nation who took Israel into captivity. Malgré que l'ennemi, Dieu permet que votre vie soit attaquée d'une certaine manière. Despite God alone, God left me attacked some certain way. Les gens qui vous attaquent seront jugés. The people attacking you will be judged. Peu importe la durée. No matter the length. Dieu les jugera. God will judge him. Merci, prions le Seigneur. Thank you, let's pray the word. Dites-moi, Dieu. Cassé. Laisse que ta puissante main veille sur nos pères.
Oh, Dieu Tout-Puissant, tu as dit, celui qui demeure sous la boue du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que toi, le Tout-Puissant, tu veilles sur les commerçants et les commerçantes. Et toi, le Dieu Tout-Puissant, tu veilles ceux qui font le bâtiment. Toi, le Dieu Tout-Puissant, que tu veilles sur ceux qui iront à l'école. Tu veilles sur ceux qui iront dans les administrations, dans les sociétés. Et que le Saint-Esprit soit notre partage, Père. Car tu as dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons la semaine, Père, et que ta grâce y veille sur chacun de nous. Amen. Seigneur, bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Seigneur, restaure les forces, l'énergie dépensée, Seigneur. Donne-nous encore plus de capacité, de force pour continuer à te servir. Et bénis son âme, bénis sa vie. Bénis sa chère épouse, ses enfants, et bénis le peuple que tu as mis sur son ministère. Merci, alors que la journée, la réunion était si longue, mais c'était pour ta gloire, car chaque chose concourt au bien de ce qui est l'éternel. Laisse que nous puissions vivre en paix, et cette joie nous accompagne dans nos maisons, cette joie nous assiste partout, Seigneur, comme la Bible nous enseigne, soyez toujours joyeux. Seigneur, bénis ce peuple, unis-nous comme les seules personnes, et que ta grâce y veille sur nous. Et bénis ceux qui sont à l'étranger, sois leur protection et leur victoire là-bas, Seigneur. Merci pour tout. Soutiens ceux qui sont éprouvés, Maman Gabou. Soutiens-la, Seigneur Jésus, et bénis son voyage. Et bénis chaque frère, et bénis chaque sœur. Et au nom de Jésus-Christ, laisse-nous en prier. Que le pôle du Seigneur dise Amen et Amen.